السلام عليكم. غادي نبداو اليوم ان شاء الله مع الشابيت الاول ديال لا ميكانيك دي فون ماتيريال، وهو الشابيت ديال لي كومبليمون ماتيماتيك ولا لي كالكول فيكتوريال. فوالا ديال لي فيكتوريال. غادي نبداو الشابيت ان. Et nous allons faire rappel mathématique. Voilà, rappel mathématique. Donc, il y a trois chapitres. Le premier chapitre fait juste rappel mathématique. Le chapitre 2 fait cinématique du plan matériel. Le chapitre 3 fait les dynamiques du plan matériel. Alors, le deuxième chapitre le 1. Alors, chapitre 1. Les rappels mathématiques, je suis allé chauffer. Allé chauffer premièrement, allé chauffer caractéristiques d'un vecteur. Voilà. Caractéristiques d'un vecteur. Voilà. Moumizat, Moutajira. Donc, je sais qu'est-ce que c'est qu'un vecteur. On va mettre la robe directement. على الكاركتيرستيك ديال فيكتور خصنا نعرفو انه كيلكو سوا واحد لو فيكتور في ابارتينون على سباس فيكتوريال او يعني كيلكو سوا واحد لو فيكتور تنتمي الى الفضاء المتجهي سي فوالا سي لو موديول ديال هاد لو فيكتور ايت ايكال ا ان اونتي كيو في ايت ان فيكتور يونيتار unitaire, voilà, un vecteur unitaire ou la normée. Voilà, la chimie qui si V, le monde de l'intégral 1, donc V est dit unitaire. Voilà. Alors, à la principale caractéristique d'un vecteur, il fera trois parties. La première partie, un deux petits pas. Elle est chevaux, la représentation d'un vecteur sur un axe. Représentation d'un vecteur sur un axe. Bien sûr, un axe delta ou la D. Voilà. Quel que soit le vecteur V appartenant à l'espace vectoriel et la droite ou l'axe que je vais appeler delta. Alors, delta. Un axe fixe porte le vecteur V. Donc V appartenant à delta et aussi le vecteur unitaire U porté par la même droite ou le même axe. Donc tel que U est un vecteur unitaire, ça veut dire le module de A qui est celui de qui est celui ouest. Alors là, ديرو الى كان عندنا واحد لي فيكتور باراليل صافي ندير اي باراليل ا في اي باراليل ا في اي باراليل ا في دونك اكزيست واحد الالفا ابارتينا ار او يوجد واحد العدد حقيقي ان ريال ابارتينو ا ار تلكو اش تلكو في اتيغال هذاك لو غيال فوا لو فيكتور يونيتار فوالا تلك الفا يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب على حساب واش يو في دو ميم عندهم لو ميم سونس ولا عندهم سونس اوبوزي صافي في هاد لو كا تقريبا شحال في كيساوي من اي 1 2 3 4 دونك في هاد ليكزومبل هذا في ايتيغالا 4 اي Voilà, 4U. Plus 4U. Parce que U parallèle à V et U au V ont le même sens. Voilà, donc 4U. Pour le module, c'est rebelle. Le module, là, la norme de V, ou la norme de U est égale à 1, donc est égale à 4. La norme est toujours positive. C'est-à-dire le cas où U et V ont le même sens.
لي هي لو كا إلا كان اش يو و في دون دون سونس اوبوزي سافي دير لونجل انتر يو و في تيغالا بي دونك لونجل انتر لي دو فيكتور تيغالا تيغالا بي على طول سيطا حال الحالة الأولى يو باراليل في alors il parle la V donc il existe le bloc par lambda appartenant à R tel que H V est égal voilà donc lambda fois I had le cas lambda et had le réel hada est négatif donc à peu près le même exemple est égal à V est égal à moins 4 moins 4u. Voilà, parce que l'angle entre u et v, je peux remettre le produit scalaire, est égal à de moins j'ai un cosinus de pi, donc est égal à moins v ou une de sens opposé, donc moins. Le module, la norme reste est toujours là. La norme est toujours positive, est égal à 4. Et là, en ce qui concerne représentation d'un vecteur sur un axe ou là sur une droite delta t alors d'abord je vais échauffer petit b alors démarre la caractéristique d'un vecteur elle échauffe petit b représentation d'un vecteur dans un plan représentation d'un vecteur dans un plan pi. Alors considérons un plan, le plan formé par les axes OX, OY, OX porté par le vecteur unitaire I porté par l'axe OX ou G, c'est un vecteur unitaire porté par l'axe OY. OX, OY forme un plan. Voilà, regarde le plan directeur. Alors, considérons quel que soit le vecteur V appartenant à le plan OX, Y. Voilà. Alors, il y a l'origine de le vecteur V, mais à l'origine de le vecteur OX, Y. Voilà, V. Alors, quelqu'un devrait exprimer V dans le repère OX, OY. Donc, V est égal à quoi? Alors, nous dirons la projection. On fait la projection du vecteur V sur l'axe OX et la projection de V sur l'axe OY. Et la projection se fait orthogonale. La projection de V est orthogonale à l'axe OX et à l'axe OY. Alors, la projection de V sur OX, l'origine est déjà projetée, alors l'extrémité de V projetera de façon orthogonale. Voilà. Alors nous avons le même dit, ce qu'on appelle le vecteur V, Vx. De la même façon, on projette V sur l'axe Y, certaines V, Vy. Est-ce que Vx, la projection de V sur X. Vy, la projection du vecteur V sur l'axe OY. Alors Vx plus Vy, c'est-à-dire Vy, est égal à V. Donc Vx plus Vy est égal à V. Voilà. Wesh, c'est le Vx. Alors Vx, chauffe. Vx parallèle à I ont le même sens, donc il existe un X dans la question de X sur la première. Il existe un X appartenant à R tel que Vx, chaque étoile. Vx est celui avec X fois le vecteur unitaire I. Et notre level X hat, donc je suis fermé là. Donc Vx est celui X hat, plata I. Voilà, avec ثلاثة سميناها X إذا تكون ثلاثة أربعة X على نفس الشيء بالنسبة لإيكغيك إيكغال دونك في إيكغيك و جي
parallèle ou de même sens, il existe un y appartenant à R tel que y est égal à y suivant le vecteur unitaire G. Voilà. C'est-à-dire le vecteur V exprimé dans le plan OX ou Y. En tant que je vais avoir qui c'est là, X, Y, K, on dirait la base de la IJ. Voilà, comme vous voulez, la X ou la Y, les composantes de le vecteur V dans la base IJ. Les composantes du vecteur V dans la base IJ. Donc, c'est ce qui est la représentation d'un vecteur dans un plan. Voilà. Allez, je vous petit c d'abord. La représentation. Voilà, la représentation.